Donc voilà les premiers essais vidéo, photo et test jeu 3D du Doggy Dagger DG550. Mes premières impressions, donc pour la partie téléphone, rien à reprocher. Haut-parleur top, qualité du son, c'est nickel, ça grésille pas, ça bafouille pas. C'est top, qualité vidéo et image, je vous laisse admirer. C'est, je sais pas qui fait mieux, mais franchement, à part du très haut de gamme, mais à 130€, Doggy, ils ont fait un boulot extraordinaire. 13 mégapixels, quad-core, donc 8 cœurs, processeur 8 cœurs, mémoire RAM, mémoire vive de 1 giga, donc fluidité, voilà, c'est à tomber par terre. On va voir donc, ça c'est les petites vidéos, ensuite une petite vidéo prise en voiture. Alors il y a un petit stabilisateur à l'intérieur que j'ai trouvé pas mal. C'est pas non plus exceptionnel, hein. J'ai un caméscope Sony, un Neon 600D. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ils n'ont pas fait mesure, c'est vraiment du très bon produit. Ensuite, on va voir quelques photos, vous allez voir la netteté. Pour 13 millions de pixels, la netteté, la qualité des photos, voilà, c'est vraiment, on va pas dire, je vais arrêter les superlatifs, mais j'en reviens pas, quoi. C'est vraiment du très beau travail, un très bon produit. En plus, cet appareil, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, est très joli, très fonctionnel. Je l'ai apprivoisé en quelques jours, vraiment je n'ai rien à lui reprocher. On verra sur la durée, mais bon, pour l'instant, je suis comblé. Les appels, alors moi qui avais des problèmes d'appels téléphoniques avec mon autre smartphone, alors celui-là, c'est limpide de chez limpide, c'est clair, net et précis. Aucun problème, et puis on va finir avec donc... le jeu 3D Asphalt 8, et vous allez voir le boulot que fait les 8 cœurs, le processeur, c'est scotchant, c'est d'une fluidité, d'une rapidité, il n'y a aucun bug. À mon avis, il doit passer pas mal de jeux vidéo 3D, je crois même tous, hein, parce que vu les capacités de ce portable, de ce smartphone, vous allez vous régaler. Moi, je suis pas un fan de jeu, je l'ai mis comme ça pour vous voir, je cours pas après. Ouais, c'est marrant quand on est on attend un train ou qu'on attend l'avion ou dans le métro, ça peut être très sympa. Voilà, essai du Doggy Dagger DG550. Laissez-moi des commentaires et puis je vous répondrai. Et puis voilà, merci à tous, ciao, bonne soirée, à bientôt.